Et voilà, avec nos deux experts, on a une séquence avec nos deux experts aujourd'hui, on va parler d'innovation organisationnelle comme levier d'agilité et de performance pour les PME et ETI. Voilà le titre de la séquence qui s'affiche derrière nous. Je suis avec Hélène Clément, directrice de BPI France Université. Salut Hélène. Bonjour Valérian. Et David Bousseau, dirigeant ou fondateur du réseau EOS. Bonjour David, tu vas bien? Bonjour Valérian. Et bonjour Hélène. David, commençons déjà par une présentation du réseau. Alors le réseau EOS, en fait, c'est un réseau qui fédère des consultantes et consultants indépendants, experts au sens senior, puisqu'on a toutes et tous plus de 20 ou 30 ans d'expérience professionnelle et on est plutôt en apport d'expertise auprès des dirigeants et dirigeantes d'entreprises, des managers, sur l'accompagnement de leur transformation et innovation métier, organisationnelle et digitale. Voilà. Hélène, quel est le rôle de BPI France Université? Alors BPI France Université fait partie de la direction de l'accompagnement de BPI France. Et comme son nom l'indique, on est sur la formation des dirigeants de PME et ETI. Et donc pour le dire rapidement, l'idée c'est d'en faire de meilleurs patrons, mieux développer leur entreprise, déverrouiller ce qui doit l'être pour atteindre son plein potentiel. Bon, pour développer notre séquence, je vais vous laisser un petit peu la main, tous les deux, avec trois parties pour séquencer un peu notre grande séquence du moment. La première, c'est que recouvre la notion d'innovation organisationnelle, on parle de quoi, et en quoi elle est clé dans le développement des PME ETI. Je démarre. Alors, je disais à l'instant que notre rôle, c'est vraiment de déverrouiller le plein potentiel, d'aider les dirigeants de PME à améliorer leur fonctionnement. Et typiquement, l'innovation organisationnelle, ça tombe dans cette catégorie-là. C'est aujourd'hui, tout bouge très vite. On a eu le Covid, on a l'intelligence artificielle, les clients sont de plus en plus exigeants. Donc, ça demande une agilité certaine aux entreprises pour une meilleure performance. Et l'innovation organisationnelle est un levier, un facteur très puissant de cette innovation, de cette agilité. C'est un état d'esprit, une culture d'entreprise qu'il est très souhaitable de développer. N'est-ce pas, David? Absolument. C'est très bien synthétisé. En effet, c'est vrai que quand on parle d'innovation, en général, on parle plutôt d'innovation de service, innovation de produits, innovation technologique. Un peu moins d'innovation organisationnelle, même si il y a beaucoup de littérature et de concrétisation. L'entreprise libérée, des organisations holocratiques qui donnent vraiment la main aux salariés et beaucoup d'autonomie pour générer de l'engagement. Et comme le disait Hélène, l'innovation organisationnelle, c'est clé pour les entreprises et notamment pour les PME et ETI qui font face à un environnement en constante évolution. Et donc, il y a besoin, en effet, de s'adapter, de modifier ses pratiques. L'innovation organisationnelle, en un mot, hein, c'est vraiment la manière d'introduire, en fait, des nouvelles structures, des nouvelles pratiques, des nouveaux modèles de gestion au sein de l'entreprise pour être plus performant, plus efficace et faire face à son contexte marché et concurrentiel. Parce qu'il y a des événements dans la vie d'une entreprise qui sont particulièrement déclencheurs de réorganisation ou en tout cas de repenser son business model, la façon dont on fonctionne. Enfin, et il faut avoir déjà intégré ce sujet, être déjà agile. Mais quel type d'étapes clés, est-ce que tu as des exemples, ça pourrait illustrer l'innovation organisationnelle? Oui, il y a des contextes, des éléments déclencheurs, en fait, souvent, en échangeant aussi avec des dirigeants d'entreprise, des clients. Je pense notamment à une entreprise, Airwell, que connaît bien BPI France pour l'accompagner sur différents pans, et à son dirigeant Laurent Rogel. C'est une entreprise dans le domaine de la pompe à chaleur, mais qui a opéré une vraie transformation avec des activités qui ont basculé, enfin qui sont restées sur le B2B, mais des nouvelles activités maintenant en B2C, avec le besoin de faire évoluer l'offre de produits vers des solutions et vers du service. Ça, c'est une vraie transformation. Et ça, c'est par exemple un élément déclencheur, en effet, pour se repencher sur l'organisationnel au sein de son entreprise, ses pratiques, sa culture. On a d'autres éléments déclencheurs. On a des crises. Le Covid, finalement, a aussi amené les entreprises à retravailler la manière de travailler ensemble, mais aussi la manière d'adresser ses clients pour continuer à vendre dans cette période-là. Et puis, il peut y avoir des changements de gouvernance. Il peut y avoir des contextes nouveaux d'internationalisation. Voilà, c'est très varié. Et c'est souvent lié à un élément déclencheur de la vie d'entreprise.
Mais au-delà d'un élément spécifique déclencheur, je pense qu'il y a une notion de veille et de culture de l'innovation dans la pratique managériale qui est importante à entretenir. Alors c'est là que je fais ma petite page de pub, parce que sur BPI France Université, on a une grosse plateforme en ligne et il y a un certain nombre de modules ou de tutos qui adresse typiquement ces sujets. Comment mieux collaborer à distance, comment s'appuyer sur l'intelligence collective, je ne sais plus les titres exacts, pardon, mais on tourne beaucoup autour de ces sujets et je pense que c'est important pour les dirigeants de s'imprégner de ces réflexes avant d'avoir vraiment le besoin d'éventuellement pivoter. Oui, parce que tout l'enjeu, là, c'est aussi l'anticipation. Et donc la veille constante de son écosystème, de ses partenaires, de ses concurrents, parfois des concurrents qui deviennent des partenaires. Voilà, tout ça bouge beaucoup. Et donc c'est un axe en effet qui est important pour tout dirigeant d'entreprise. Est-ce que vous voulez qu'on parle d'intelligence artificielle ? Ben pourquoi pas, quand on parle d'évolution très folle, qu'on se prend en pleine tête et on ne sait pas comment réagir. Typiquement, l'intelligence artificielle est complètement dans cette catégorie. Effectivement, c'est une question que les dirigeants doivent se poser. Est-ce que l'intelligence artificielle, ça concerne mon entreprise ? Comment ? Est-ce que c'est un risque ou est-ce que c'est une opportunité ? Donc, effectivement, on est vraiment dans cette réflexion et cette éventuelle réorganisation. Alors, je continue ma page de pub et puis tu donnes... Je t'en prie. Chez BPI France Université, on a sorti une très grande série sur l'intelligence artificielle et qui est... Alors, il y a plusieurs niveaux, mais au démarrage, c'est vraiment est-ce que ça me concerne, en quoi les PME sont impactées, positivement ou potentiellement négativement, mais il y a une vraie volonté de se mettre au niveau d'un patron de PME, dont je... est-ce que ça concerne mon entreprise, mes fournisseurs, mes clients, comment ça peut m'impacter et je vous encourage fortement à aller voir. Je confirme, il y a beaucoup de contenu, de la sensibilisation et puis des accompagnements aussi très, très pointus proposés par BPI France. Sur l'intelligence artificielle, la data, l'exploitation de la data et l'intelligence artificielle, c'est assurément un catalyseur de l'innovation organisationnelle. Parce que comme on peut imaginer... rechallenger ses pratiques, ses usages avec l'IA en interne, mais aussi vis-à-vis des clients, des nouvelles compétences à acquérir également, de l'analyse prédictive, la mise en place aussi de systèmes qui permettent d'automatiser certains processus et donc ça permet de repositionner les équipes sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Donc tout ça bouleverse en effet l'entreprise, mais je dirais aussi que l'innovation organisationnelle accélère l'IA. Parce qu'en fait, le fait d'avoir anticipé, d'avoir une organisation finalement assez agile et d'avoir anticipé ces évolutions, ces changements et pas les subir, c'est aussi un élément d'accélération pour la mise en place de ces nouveaux usages. Ouais, et clairement, sur le sujet IA, le vrai risque, ce serait de ne rien faire, en fait, d'être passif. Voilà, agilité à acquérir aussi. Sur ce sujet de l'IA, on a une troisième partie qui est finalement en tant que dirigeant, sur quel levier peut-on agir pour mettre en œuvre l'innovation organisationnelle ? David. Alors, je commence peut-être. Vas-y. Donc, il y a évidemment différents leviers. La première chose, c'est qu'il faut que ça soit impulsé par le dirigeant. Il faut que ça soit incarné par le dirigeant. Cette philosophie, ce mindset aussi. Et après, c'est une diffusion au sein de l'entreprise avec de différentes manières. Ça touche à la culture de l'innovation, naturellement. La curiosité, la veille, l'ouverture, la coopération aussi au sein de l'entreprise, la créativité. Ça implique également le fait de développer des compétences et des soft skills, chère Hélène. Sujet qui nous est cher et ça concerne les collaborateurs, les équipes. Ça peut être très varié, ça peut être de la sensibilisation à l'IA, ça peut être des approches plus collaboratives de design thinking. Je crois que d'ailleurs BPI France propose des choses sur cette thématique. Et puis ça doit aussi toucher les managers, parce que si les managers n'incarnent pas cette manière de rechallenger la manière de travailler, les process, de donner plus la main aux équipes, y a une dissonance entre la volonté du dirigeant et puis la réalité pour les équipes. Donc c'est également très important. Et je rajouterai deux items juste rapidement. Un item évidemment lié à la,
la refonte de processus, de mode de travail, d'usage et également de l'usage du digital dans les pratiques de l'entreprise. Et puis un élément qu'on oublie parfois qui est l'ouverture sur son écosystème. Et pour échanger aussi avec des chefs d'entreprise, c'est, je pense à Ouo Agencement par exemple, Vincent Ouo qui a eu ces problématiques-là à un moment d'ouverture vers son écosystème, de partenariat et pour développer son entreprise, finalement intégrer dans sa réflexion d'innovation organisationnelle cet écosystème pour développer des nouveaux produits, pour accélérer l'accès à certains marchés notamment. Et donc c'est aussi un axe et un levier intéressant pour les dirigeants. Et puis globalement, on est dans la conduite du changement et dans son accompagnement. Donc ça peut être aussi utile de se faire accompagner par des conseils ou de regarder un module d'université qui a été fait par un expert des OSE d'ailleurs. Ou les deux, voilà. Ou les deux, ça marche. Effectivement, on a des modules spécialisés sur la conduite du changement ou sur les soft skills comme outils justement de transformation de son organisation et d'innovation. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire. David. Oui, juste, on pourrait rajouter dans le titre parce qu'on a mis levier d'agilité. Il est déjà très long ce pour titre. Pour les PME, hein. Oui. On ne peut plus rien rajouter. Désolé. On va le rajouter oralement. L'attractivité également. Oui. Parce que le fait d'avoir une approche, une ouverture, qui n'est pas simple hein, à mettre en place, hein. Y a parfois des échecs avant de trouver la bonne organisation, les bonnes compétences, les bons usages. Mais c'est vrai que c'est aussi un facteur d'attractivité vers l'extérieur pour attirer des talents, de faire connaître aussi ces pratiques. Et donc, il y a cette logique aussi de valoriser les succès quand ça fonctionne, de mesurer les résultats, ce que ça apporte comme bénéfice, de valoriser pour les équipes, bien sûr, hein, qu'on engage dans ces approches collaboratives, mais également vers l'externe en termes de marque employeur. C'est aussi, je pense, pour les PME et ETI, un levier intéressant. Tout à l'heure, David, tu parlais, je me permets, hein, je rebondis, des dirigeants et de l'importance, dans ce que tu disais tout à l'heure, qu'eux soient aussi embarqués. Comment on convainc un dirigeant qui n'a peut-être pas envie de s'embarquer là-dedans, ou qui ne voit pas forcément pour l'instant le ROI, par exemple? Alors, il faut le sensibiliser déjà. Hein. Là, il y a tous des contenus qui existent très larges sur ces sujets. Des exemples ? Oui, en fait, nous, on travaille avec des dirigeants qui, soit, entre guillemets, n'ont pas le choix pour faire face à une situation, ont déjà dans ce mindset, en eux, cette philosophie, et ont du mal à la déployer au sein de l'entreprise. Mais on voit bien que c'est un levier, l'innovation organisationnelle, important vis-à-vis des clients, pour leur satisfaction, et aussi vis-à-vis des équipes et des managers. Donc, je pense qu'il faut les sensibiliser, bien sûr. Et puis, souvent, c'est quand même des éléments déclencheurs qui les amènent à y aller. La réalité de la vie du chef d'entreprise. Une croissance très importante, l'international, une croissance externe. Absolument, absolument, ouais, tout à fait. Et comment on intègre les enjeux RSE ? On les intègre partout ? Non, mais partout. Non, mais dans tout ce que vous me dites là, à quel moment, à quel endroit et comment on intègre les enjeux RSE aussi sur l'organisation, dans l'organisation ? Alors, on fait appel à l'intelligence collective et c'est probablement intégré. Je vais te laisser répondre, David. Oui, non, la RSE, c'est une thématique clé pour les entreprises en termes d'attractivité, mais évidemment vis-à-vis de leurs clients. Et ça diffuse toute l'entreprise. Donc c'est un très bon exemple, c'est un peu comme l'IA, enfin, c'est des sujets transverses. Il y a des liens qui sont faits entre les deux, mais c'est une vraie transformation, c'est aussi un changement de pratique, parfois de business model, des grands groupes hein, qui basculent dans des évolutions de business model pour être au rendez-vous de ces enjeux RSE. Et là, naturellement, l'innovation organisationnelle intervient. Donc c'est aussi, comme avec l'IA, c'est des concepts qui sont très liés, finalement. David, c'est quoi l'importance pour une entreprise d'être dans des réseaux je sors un peu de la séquence, mais ça m'intéresse. Sur la notion de réseau, on est ici sur la plateforme du Club Excellence. Ça apporte quoi ? Alors nous, on a la chance de travailler auprès de BPI France depuis plus de 6 ans maintenant. La direction de l'accompagnement de BPI France
auprès de l'université BPI France également. Et c'est vrai que ce que je peux faire le retour, en tout cas, des dirigeants qui sont dans ces communautés-là, la première des choses, en effet, c'est la mise en communauté, qui est une vraie valeur apportée par BPI France, avec des dirigeants qui ont souvent des problématiques assez similaires, mais qui sont souvent un peu seuls à y réfléchir. Et donc là, c'est une vraie, un vrai apport. Et puis, je mets de côté EOS, mais il y a en effet beaucoup d'intervenants qui sont sollicités et sélectionnés par BPI France. Je crois avec une grande satisfaction aussi des dirigeants sur des sujets très variés. Et en effet, ce qui est intéressant, c'est que ça couvre des phases de sensibilisation, de formation, d'approfondissement. Et donc, chaque dirigeant, quelque part, ou son CODIR, peut retrouver vraiment de la matière pour l'accompagner dans ces sujets. Et alors je vais faire la pub, mais c'est vrai que vous allez sur le site BPI France Université. Voilà, il y a des contenus, il y a énormément de contenus, et donc en mettant quelques mots-clés, on retrouve beaucoup de choses. Bon, c'est parfait, j'ai rien à dire. David fait la publicité. Et sur la communauté, juste Valérie, ouais. Sur la communauté, nous c'est notre ADN, hein, oui. C'est une communauté d'indépendants, donc on est vraiment en mode collaboratif. Ça a été, c'est pour ça que le sujet, c'est le cœur de nos accompagnements, mais c'est aussi le cœur de notre modèle. On y croit vraiment. Et donc c'est aussi ce qu'on essaie d'insuffler dans nos accompagnements, cette ouverture aussi des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé avec cet écosystème de parties prenantes externes. Et d'ailleurs on est en train de produire un module sur ces sujets de travail en partenariat pour BPI France qui sera disponible au mois de décembre. Une petite question, Hélène. Tout à l'heure, on a eu une séquence sur RH avec Christelle Roger où on parlait des collaborateurs, des talents. Pour les garder, il faut de la formation continue, il faut grandir. C'est la même chose pour les dirigeants. Il faut continuellement apprendre aussi. Alors, il faudrait. Faudrait. Parce qu'en fait, les dirigeants ont peu de temps. Donc encore plus de difficultés à se former. Finalement, quand on est salarié, on peut avoir une direction RH bien faite qui nous pousse vers des formations et un chemin tracé, un parcours de progression dans son métier. Quand on est patron, on s'oublie un peu souvent, et effectivement il faudrait repenser, ouvrir sa connaissance, repenser ses compétences et se pencher sur l'IA. Ça, c'est un sujet qui fonctionne très très bien, l'IA, parce que on en entend tellement parler que ça suscite énormément de questions. Et notre série IA en 2024, ça représente à peu près 20% de nos apprenants sur la plateforme. Donc énorme succès. Là, les patrons ont réagi, on se dit qu'est-ce qui se passe, j'y vais. Sur d'autres sujets plus fondamentaux. Que sont, je ne sais pas, le marketing, la finance, il y a moins le réflexe en fait. Ils ont tendance plutôt à s'appuyer sur leurs équipes. Et c'est bien, puisqu'ils ont des spécialistes pour prendre en charge ces sujets-là. Mais c'est bien aussi de se tenir au courant des évolutions, des pratiques, et de pouvoir échanger justement ou aiguillonner ces équipes et avoir des nouvelles idées. Oui, voilà. Pour embarquer, c'est plus simple aussi. Aussi. David ? Oui, juste un mot. Le thème de Big cette année pour les 10 ans, c'est le progrès. Et nous, on constate quand même des progrès dans ce champ-là. Des progrès aussi parce que je pense que de plus en plus de dirigeants se rendent compte que finalement, il y a énormément de paramètres à gérer quand on dirige une entreprise et qu'en fait, c'est très compliqué à gérer seul, d'une part. Donc, ça implique aussi une gouvernance plus collective. Et en même temps, ça implique soi-même de se rechallenger sur des nouveaux sujets. Et donc... En tout cas, de notre point de vue, on voit quand même une tendance qui est plutôt positive. Et quand il y a des entités, des structures, des organisations telles que BPI qui proposent aussi des contenus accessibles facilement, gratuits, c'est vrai que c'est un vrai levier aussi pour accompagner ce progrès. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, Hélène et David, pour cette séquence, pour les applaudir. Merci à toi. C'est une bonne idée. Merci beaucoup. Et nous, on va changer de sujet maintenant. On va parler cinéma, création, production avec le réalisateur Alexandre Arcadie.